L'idée est venue autour d'un repas il y a plus d'un an. Lassa, l'athlète sport Sarreguemines arrondissement, et le jeune coureur Yann Schrub ont créé les 5 km des Mousquetaires. Un événement sportif inédit prévu pour le 1er octobre et qui sera décliné en plusieurs courses. On aura des courses jeunes, donc très 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 jeunes. Ça sera 1 km où la possibilité d'être accompagné d'un parent. Ensuite, on aura une course de 2,5, donc ça sera juste une boucle. Et ensuite, il y aura une course populaire de 5 km, donc deux boucles. Et enfin, une course élite où on va avoir des sportifs de haut niveau qui vont venir. Donc Yann Schrub, que tout le monde connaît, il ramène également des sportifs de haut niveau, des champions du monde de duathlon, des sportifs olympiques. L'Intermarché sera le sponsor de la course. Ils sont appuyés par le département et la ville de Sarreguemines. Pour cette occasion, la municipalité organise une journée de la mobilité douce. Le parcours de 2,5 km traverse tout le centre-ville. La circulation sera donc interdite de 14h à 18h. La ville proposera des animations pour mettre à l'honneur les moyens de locomotion non motorisés comme le vélo ou la trottinette. Cet événement se veut avant tout festif. Une course, un événement sportif où tout le monde se réunit, fait la fête, rigole, boit des coups, etc. Ça, c'est l'objectif principal. Lutter un petit peu contre la sédentarité vis-à-vis des jeunes. Les jeunes, génération tablette, génération écran, c'est un peu lutter contre ça, leur faire découvrir la course à pied avec les parents. L'objectif est aussi de proposer un parcours moins long, plus abordable pour le public et de créer un complément pour le 10 km de Sarreguemines qui aura lieu 2 semaines plus tard. Chacun aura droit à un t-shirt et un dossard personnalisé. L'accès au centre-ville, aux véhicules et la circulation des bus durant l'événement sont précisés sur le site web de la ville.